C'est quoi ce bordel? Oui. Oui, je vous le dis, oui. Qu'est-ce qui se passe, Togmar? Oui, je vous le dis, je suis Chafouin. Chafouin de chez Chafouin. J'ai le cœur brisé. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe, Togmar? Dis-nous-le, enfin. Qu'est-ce qui t'arrive, là-haut? Mais enfin, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette intro, encore? Regardez ça. Vous allez être choqués, comme moi. J'ai été choqué en voyant ça. Dimanche 20 novembre 2022, 627 nouveaux spectateurs qui sont arrivés sur cette chaîne. Est-ce qu'il y a eu 627 nouveaux abonnés? Non, je crois pas, non. Lundi 21 novembre 2022, 426 nouveaux spectateurs qui sont arrivés sur la chaîne. Est-ce qu'il y a eu 426 nouveaux abonnés sur cette chaîne? Non, je crois pas, non. Mardi 22 novembre 2022, 322 nouveaux spectateurs. Est-ce qu'il y a eu 322 nouveaux abonnés sur la chaîne? Non, je crois pas, non. Non, je crois pas non plus, non. Non, je crois pas non plus, non. Mais on est où, là? Oh, j'ai dit 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Bon, abonnez-vous. Merci. C'est bon, on peut reprendre un cours de vidéo normal. Bah du coup, on est là pour le pachycéphalosaure. Vous demandiez quelque chose dans les commentaires, quel est mon serveur sur lequel je peux tester les dinosaures? Alors il y a celui-là, New Era Deathmatch et Aedis Deathmatch. On va aller sur celui-là, on va confirmer, on va télécharger les mods, etc. etc. Et on se retrouve directement après. Ok. Bon écoutez, déjà visuellement, il est propre. Il est beau, j'adore le pachy, c'est un de mes dinosaures que je kiffe le plus. Alors on va essayer déjà de commencer à faire les cris pour voir ce que ça donne. Ok, pas mal, cri d'appel, cri gentil. Ok, cri agressif. Ok, c'est un peu faiblard quand même je trouve. Cri de peur. Ok, les cris sont un peu faiblards, on les entend pas trop. What? Je crois que j'ai des embrouilles qui arrivent là. Vas-y, lâche-moi. Hop là. Nulos. Paf. What? Je suis blossade. On va se mettre dans un coin tranquille, on va prendre les capacités, on va voir un petit peu ce que ça donne. Moi, je sais pas, ce dinosaure, je le sens bien. Ouais, il peut sauter et tout. Je le sens vraiment pas mal parce qu'il a l'air assez dynamique. Et j'aime bien quand c'est dynamique. Alors, niveau capacité, qu'est-ce qu'il y a? Tête. Ok, il y a un coup de tête, super. Métabolisme. D'accord, écaille. Ah, écaille, il y a diminution de la défense, augmentation de la vitesse de déplacement. Écaille épaisse, augmentation de la défense et du rayon de braquage au détriment de la vitesse. Je sais pas trop, dans tous les cas, je pense qu'il est fragile. Donc vaut mieux peut-être augmenter la vitesse. Je vais laisser normal pour l'instant, jambes. Ok, bon bah c'est la charge, hein. On s'y attendait. Patte arrière. Augmentation de l'endurance. Ok, c'est pas mal. Augmentation de la hauteur de saut et réduit l'endurance dépensée lors des sauts. Et queue. Coup de queue. Ok, bon, c'est assez basique, mais écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. Il peut sauter et tout, il a l'air de courir assez vite. On va directement tester ça, évidemment. Alors, il faut voir un petit peu, là, le rayon de braquage est quand même pas si mal que ça. Il tombe quand même assez bien. Niveau stam, je pense qu'il doit avoir une stam de fou furieux. Parce que les pachis, ils ont toujours beaucoup de stam, hein, je sais pas pourquoi. Toi, là. Paf! Je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de dégâts, quand même. Ok, il est temps de tester la bête. Ici, il y a un bruit. Est-ce que la charge va être aussi dégueu que celle du Carnot? Est-ce que ça va bugger? Est-ce que ça va laguer? Est-ce que c'est puissant? Est-ce que ça ne l'est pas? Paf, je l'ai décalé. Je l'ai décalé, le bouc, viens ici. Il complique comment? Allez, viens là. Maintenant, je cours un poil plus vite. Tiens, l'allosaure. Ouais, je me l'aime maintenant. Voilà, mon pote le Carnot, c'est bien ça. Bravo. Oh, tu me parles comment, toi? Ouais, bon, ça reste le bordel. Hein. Ça reste le bordel, on comprend pas ce qui se passe. On va essayer de se faire un 1v1 contre lui. Blablabla. Après, je cours vite, quand même. Je cours assez vite, j'ai l'impression. Je sais pas si je cours vraiment vite. Mais j'ai l'impression... Non, mais tu es sérieux? Tu reviens, toi? T'as pas honte? C'est honteux! René, tu seras toujours là! Vas-y, toi! What? Non, mais en vrai, ça bug trop la charge, c'est trop dommage, quoi! What? Oh, il m'a enlevé la moitié de ma vie! Par contre, vous voyez la stam que j'ai. Là, vous voyez que je ne perds absolument pas ma stam. Ouais, je cours plus vite que lui, je crois. Ça va, c'est pas mal ça. On va voir sur une longue ligne droite. Pour clairement plus vite, donc ça c'est bien, heureusement. Après j'ai l'air de vraiment pas faire beaucoup de dégâts, hein. Ça c'est... Viens ici. Oh, tu te jettes dans l'eau, tu es sérieux? Nulos. Viens là. Voilà, tu vas y retourner dans l'eau, mon pote. Reste dans l'eau.
Et aussi la charge, ça serait bien qu'elle se... qu'on puisse utiliser plus souvent 15 secondes d'attente. Je trouve que c'est un peu beaucoup. Bon, après contre un allosaure, c'est pas non plus l'idée. Hein. L'allosaure est censé chasser le pachy. Oh, c'est hyper dur à dire. Et donc c'est bien pour ça que... What? C'est pas beau bon sang. Hop là. Raté. Ouais, j'ai plus de vie. Et ouais, mais on comprend rien à ce qui se passe. Ah ouais, non, mais ça, c'est pas possible, Pass of Titan. Alderon Game, vous nous faites quoi? C'est un peu dommage que ce soit saccadé comme ça, là. Et lui, là, est-ce que je le pousse? Ouais. J'ai fait zéro dégâts. J'ai fait zéro dégâts, c'est normal, ça? Coup de tête. Coup de tête balayette. Coup de tête. C'est pas tout ce qui se passe, hein. Viens là, le varan. Viens ici. What? Eh, l'anki, là, tu te calmes. Ah, oh, je l'ai eu. C'est un peu le bordel, mais je l'ai eu. Non, ouais, c'est dommage. Les combats, ils sont trop bordéliques. On comprend rien à ce qui se passe. C'est un peu dommage. Alors, les points là, ce que je vois là, pour l'instant, les points forts, c'est que vraiment, il a une stam de dégénéré. Même avec la charge, la stam, elle baisse quasiment pas. Point faible, fallait pas s'attendre à autre chose. Il est quand même très fragile. La charge, ouais, vas-y, je t'accepte. La charge, le cooldown est un poil long. Je trouve que 15 secondes pour notre seule attaque qui est un peu utile, c'est un peu long. On va le tester, hein. Ok, donc j'ai pris celui-là. Voilà, le pachycéphalosaure axé sur la vitesse. Pour moi, c'est un Dracorex. Pour d'autres, le professeur Togmar pourrait vous l'expliquer. Un moment science avec le professeur Togmar. Merci de me donner la parole. En effet, nous avons affaire là à une dissensus scientifique qui a déchiré la communauté des paléontologues pendant quasiment une dizaine d'années. En 2006, dans le Dakota du Sud, est découvert une nouvelle espèce de dinosaure. Appelé Dracorex, les scientifiques étaient alors tout heureux. Mais dès 2007, après de nombreuses études des fossiles trouvés, la classification en tant que nouvelle espèce nommée Dracorex commence à poser des questions. En partant du principe que le Dracorex a été découvert à côté d'ossements de pachycéphalosaures, que les deux espèces se ressemblaient beaucoup, étant tous deux membres d'une espèce ontogénique, c'est-à-dire que le squelette et notamment le crâne se modifient énormément durant toute la durée de vie du spécimen, se produit alors ce que l'on appelle un schisme scientifique. Ceux qui sont pour que le Dracorex soit une espèce à part entière, nouvellement découverte, et ceux qui disent que le Dracorex n'est en fait qu'un stade de pachycéphalosaure à l'état juvénile. Ce n'est qu'en 2016, avec les découvertes de David Evans et Mark Goldwyn, que le dissensus scientifique redevient alors consensus. En effet, les deux paléontologues avaient alors analysé une multitude de fossiles, et leur conclusion devint alors indiscutable. Figurez-vous que les spécimens de Dracorex retrouvés correspondaient tous à des spécimens juvéniles. En outre, les spécimens de Pachycéphalosaurus retrouvés dans la même zone correspondaient tous à des dinosaures adultes. En conséquence, ils comprirent alors que le Dracorex était réellement la phase juvénile du pachycéphalosaure. Car, rappelons-le, c'est une espèce ontogénique. Donc, le Dracorex n'existe pas. Merci, professeur Togmar. Vous êtes bien aimable de nous avoir expliqué tout ça. Maintenant, l'idée, bah, c'est de tester cette petite bestiole qui est plutôt là axée sur la vitesse. Hein. Encore moins de défense. Je sais pas trop. Après, je pense que le pachy, c'est pas du tout fait pour chasser. Hein. C'est fait pour survivre, manger des plantes, manger de l'herbe. Et quand il y a un carnivore qui arrive pour nous castagner, on part en courant. Et si vraiment on est acculé et qu'on peut plus rien faire, paf, on peut taper. Regardez comme il m'a acculé. Je suis obligé de l'attaquer. Je n'ai pas d'autre choix. Oh, mais je l'ai fracassé, quoi. Mais si. Non. What? Il fait quoi? Il est disparu? Ok. Merci, frérot. J'étais acculé, je pouvais rien faire d'autre que de le chasser. Il m'avait coincé. Et du coup, là, j'étais obligé de sévir. C'est qui, lui? La maîtria. Lui, c'est à notre taille.
What? M'a empoisonné, frérot. Frérot, m'a empoisonné. Si, je suis caché là. Invisible. Je suis là, t'inquiète. Je reprends un petit peu mon souffle. Tu as vu, m'a empoisonné. Essayez de pas vous battre ici là. What? Tiens la baffe. En fait, il nous colle trop, on peut pas faire l'attaque, la charge là. C'est compliqué de faire la charge. Voilà, tiens, va dans l'eau, dégage. Je suis avec toi, mon pote. T'inquiète, va te réparer là. Ouais, répare-toi. What? GG Bouboule. Voilà comment on se débarrasse des carnivores. Oh, lui, il attaque mon pote, lui. Et toi, j'attaque pas mon pote, mon raffin. Aïe! Ok, bon, du coup, l'idée c'est que. What? C'est pas le bon personnage. Pas le bon personnage, pardon, attendez. 2 secondes, t'es mort. C'était pas le bon personnage? Non, mais c'est pas le bon non plus. Dès que je me perds. Tellement d'identité, le mec il devient fou. Complètement fou. Totalement fou. Absolument fou. Bref, du coup. Tout ça pour dire que, bah, tout simplement, en fait, on a fait le tour du Pachy. Le dinosaure est franchement bien. Il est franchement sympa à jouer. En revanche, voilà, c'est le jeu. Là, le jeu, il déconne trop, en fait, pour ce genre de dinosaure. Ça, il faut vraiment le modifier à Elden Game. C'est pas possible, hein. Vraiment, c'est trop bordélique, tout simplement. Wouhou! C'est ce que je disais dans mes vidéos bilan. Quel est le meilleur dino de Path of Titan? Je crois que ça s'appelle un peu comme ça, la vidéo. Mais en fait, c'est des petits dinosaures. Bah, depuis ce moment-là, ça s'est pas arrangé. Le Pachy, c'est un petit dino. Petit dino égale difficilement jouable tant que les combats seront aussi pourris que ça. Hélas, je suis quand même obligé de le dire. N'en déplaise à certains, je dirai toujours la vérité et ce que je pense. Il y a aussi un petit truc que je remarque. C'est qu'en fait, il n'y a pas la sensation de puissance quand on met un coup de casque. Alors que, aïe aïe aïe, attention, je vais faire une comparaison entre The Isle et Path of Titan. Ne vous énervez pas. Dans The Isle, quand on met un coup de casque avec le Pachy, vous pouvez aller voir cette vidéo, vous verrez que le Pachy, quand on tape, on tape. Bref, c'est fini. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, vous pouvez vous applaudir. Parce que c'est le meilleur moyen de soutenir cette chaîne. Avec un petit pouce bleu et un abonnement, évidemment. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est tchuss tout le monde.